Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'apéro pour ce nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey. Oui, il n'y a plus de fond à la con logiciel, qui était assez moche finalement. Et oui, il n'y a plus de barbe non plus, parce que je l'ai rasé, parce que je me suis piqué par un putain de moustique sous le menton. Voilà, c'est dit, on y va. À quelques mètres, il y a une quête, on va aller la faire. Et c'est parti. Bonjour. Vous avez peut-être entendu parler de moi, il y a 24 heures, j'ai buté tous les gens dans ce fort. Non, ça vous dit rien? Bonjour. Alexios. Je ne t'avais pas revu depuis que tu m'as emmené voir les ruines d'Ulysse. C'est la demoiselle qui m'a foutu un... Tu t'en souviens? Un vent. Comment aurais-je oublié? Tu m'as dit de mener ma propre vie, sans me préoccuper de la grandeur d'autrui. On dirait que tu as suivi mon conseil. J'ai dû prendre soin de mon père malade. Alors non, je n'ai pas eu le loisir de mener la vie dont je rêvais. Ah, désolé. Ça a l'air éprouvant, j'ai oublié combien tu es belle, alors ça c'est débile. Ça a l'air éprouvant. Je comprends ton amertume. Tu aimerais voyager, mais à la place, tu dois rester ici. C'est bon de se sentir comprise. Si ta vie ne te plaît pas, libre à toi d'agir. Pas avant que mon père soit rétabli. Ça, c'est compréhensible. J'aurais besoin d'une ou deux choses. Tu pourrais peut-être m'aider? Ouais, y a pas de souci. Je vais te les rapporter. T'en fais pas. Je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la dans cette situation-là, qu'on reconnaît ses amis. Faut pas que je regarde la caméra là, vu qu'elle n'est pas là, elle est là maintenant. À laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté au marché. Ton père doit vraiment être souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Normal. Et qu'est-ce qu'il a, ton père? De quoi souffre ton père? Non. Et son état ne s'arrange jamais. En tout cas, la décoction et les herbes apaisent ses souffrances. C'est déjà ça. Et qu'arrivera-t-il s'il meurt? Tout ce domaine t'appartiendra, non? Oui. C'est peut-être pas ce qui compte, hein. Quelle meilleure raison aurais-je de tout laisser derrière moi et de vivre ma propre Odyssée? Mais t'es pas l'héroïne du jeu. Mais quel est ton lien avec l'Odyssée? Lié à l'Odyssée. Je suis une descendante d'Ulysse. Oui, ça je suis au courant. L'Odyssée, Odessa. C'est tout. D'accord, ok, bon bah j'y vais. Reste auprès de ton père. Reste avec ton papa. Avec les herbes et la décoction. Et moi je vais te chercher tout ce que tu... Hein? Voilà. Trouver les herbes dans Mégaris, dans la vallée du roi Lélex. Ça on y est. Elles sont au sud du forgeron. Elles sont près de la trirème perse. Oh putain, c'est précis. Ok. Vallée du roi Lélex. Au sud du forgeron. Près de la trirème perse. Donc trirème perse, ça devrait être dans les alentours là. J'imagine que c'est la petite ville qu'il y a autour. Ok, laisse-moi... Ah d'accord, il faut que j'enregistre les trois. D'accord, ok. Attends pour moi. Bonjour mon ami, excuse-moi, je me suis fait agresser par un loup, je l'ai puni. Pauvre bête. C'est un bateau. Qu'est-ce qu'il fout là? Trirème Perse. Ah c'est ça, la Trirème Perse est un bateau. D'accord. Trirème, je connais pas ce que c'est comme... comme objet. Herbe médicinale. Ah oui, directement, d'accord, ok, tu vas pas chercher plus loin. Mais c'est juste ça en fait, les quêtes, c'est d'aller chercher trois plantes et... Hop là. Alors je rappelle les mecs, il y a une espèce de finish pour les bestioles aussi. Surtout que les spartiates, tout ça, avec une lance, souvent, ils ont des finishes normalement assez... Enfin, dans la culture populaire, ils ont des finishes assez un petit peu... assez violents, on va dire. On va le dire gentiment. Acheter la décoction, d'accord. Maintenant que j'ai le truc, faut que j'achète la décoction à l'herboriste. Ok. Allons voir ça. Bonjour, excusez-moi, j'ai encore un peu mal au crâne. Enfin, pardon, à la gorge. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles. Crâne, justement, je l'ai résolu ce problème. Marchandise qui soit, j'ai même des choses pour les mercenaires comme toi. Et pas ce qui m'intéresse. C'est Odessa qui m'envoie. Oh, mais bien sûr, je l'adore. Et ça m'aurait fait plaisir de la voir. C'est pour son père, j'imagine. Donne-moi la somme et tu auras sa commande. Je vais payer. Tiens, voilà. Les ventes rapides, c'est ce que je préfère. J'espère que ça aidera Odessa. C'est normal. On participe à son malheur. Tout à fait normal, tout à fait noble de le faire. Ça montre qu'on comprend par quoi elle passe, etc., etc. Jusque là, c'est honorable. Nous sommes un homme honorable, malgré le fait que nous soyons un assassin, que nous n'étions pas à buter des gens contre des cailloux. Ça reste honorable. J'ai rien à dire. Ah oui, et à voler certains temples. Mais tout va bien. Sinon, en dehors de ça, tout va parfaitement bien. Pourquoi on se fait attaquer par des...
Qu'est-ce que... A tué les assaillants? D'accord, il y a des gens qui m'attaquent. Eh bien, raté. Raté. Voilà, et 2-1. Allez, la conscience de moi maintenant. Par contre, les poulets, je comprends pas. Pourquoi le poulet m'a attaqué? Ça, je ne comprendrai jamais, je crois. Pourquoi un poulet m'attaque? Ça, franchement, tu as vu Odessa avant qu'elle ne cause avantage de tort à Megaris, quand elle sera morte, le domaine de son père nous reviendra. Hein? D'accord. Bon bah, Odessa. Tu les as, n'est-ce pas? C'est tout ce qui t'inquiète? On vient de nous attaquer. Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue? J'imagine que je vais pouvoir lui mentir. Tu causes des ennuis, des gens t'en veulent. Des gens t'en veulent. C'est à toi qu'on en voulait. À toi seul, pas à moi. Je n'en reviens pas. Apparemment, c'est lié au domaine de ton père. Ils veulent probablement vous en chasser pour se l'approprier. J'aurais pu mourir. Sans avoir eu l'occasion de me faire un nom. Tout le monde m'aurait oublié. Et une fois de plus, je t'ai sauvé la peau. Arrête de penser à toi, ravi d'avoir pu t'aider, je vais te protéger, je vais te protéger. Je ne laisserai personne abîmer ce visage. Sans douleur, pas de gloire. Ah, fais-moi une démonstration. Je vais à l'intérieur pour me faire souffrir un peu. Oh, j'adorerais, crois-moi, mais cette nouvelle... Et quelqu'un cherche à me... Je m'attendais pas à ce qu'ils disent ça comme ça. Comment peux-tu penser au plaisir dans une situation pareille? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah voilà, si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on... Crois ce que tu veux, mais je peux te montrer la vérité. J'ai juste besoin de ton aide. Ça me semble intéressant. Je te dirai si je te l'accorde. Ok, c'est tout. J'ai besoin de ton aide, je te dis pas pourquoi. Mais c'est parti. Allez, dis-moi. Tu es prêt à apprendre toute la vérité sur ces événements? Il a été empoisonné, je présume. Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. Tu n'atteindras jamais la grandeur d'Ulysse, je crois en toi. Ulysse était aussi un grand amant. L'Odyssée ne parle-t-elle pas d'Ulysse et de ses prouesses amoureuses? Ah bon? J'ai dû sauter les passages. Ah, merde! On peut peut-être essayer, écrivons notre propre histoire si on lisait ensemble. On peut peut-être essayer, c'est la plus ouais, une fin de passion. Tu sais, comme je le disais, les prouesses amoureuses d'Ulysse. Oh, je te prenais pour quelqu'un de beaucoup ouais, plus moi aussi. Et sûr de soi. J'ai eu envie d'essayer la timidité. Nous reparlerons de nous quand tout ça sera fini. Oh. Avant tout, ce message provenait du dirigeant de Megaris. Mais j'ai débuté. Il doit exister une preuve de ce qu'il prépare. Ah. Si elle existe... Elle est sûrement chez lui. Oh, mais j'ai déjà vidé sa maison aussi. Je vais aller chercher le dirigeant. Je trouverai cette preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Tu as une idée? Je dois chercher. Une note, un contrat. Cet homme est le plus puissant de Megaris. Je ne peux l'accuser que si je détiens la preuve qu'il veut se débarrasser de moi. Donc un contrat, peut-être. Que fera-t-on quand on aura cette preuve? Je trouve ce que tu cherches. Et ensuite? Ensuite, j'en parlerai à tout le monde. Le dirigeant ne pourra rien contre mon père et moi quand on connaîtra ses projets. Et je pense que quand nous allons rentrer, son père sera malheureusement décédé. Quelle qu'elle soit. Qui va donc une fois de plus réduire sa capacité à se défendre. Je dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. C'est parti. C'est l'endroit. Ok, on y est. Une preuve, c'est ici que je la trouverai. Parfait. Enfin, une petite reconnaissance quand même. Voir s'il y a un petit peu de monde. Aucune info supplémentaire, bizarrement. Il a l'air d'y avoir qu'une seule personne. Même pas. C'est l'air d'être vide, en fait. Alors que j'ai bien attaqué la zone, quand même. Hein. Cet endroit sera en alerte. Peut-être que maintenant que je suis dedans... Quoi, ça? Oh, tombeau d'Alcatos. D'accord.
Bon, il y a l'air d'y avoir personne dedans. Hein. Même exactement la même pièce qu'avant. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer. Par tous les moyens nécessaires. D'accord, intéressant. Personne ne me voit, donc j'en profite à fond, hein. Je pile l'endroit. L'un des prétendants d'Odessa est mystérieusement mort peu après l'avoir rencontré. Cadavre. Ok. Ça, c'est les deux indices. Les premiers indices. Il y en aurait un troisième quelque part. Ouais, donc c'est tous les cadavres que j'ai laissés la dernière fois. Ok. Très bizarre que cet objet a un cône de lumière. Un SWAT. Apparemment c'est bien au-dessus. Alors est-ce qu'il fallait simplement que je ferme le... Internet. Non, c'est dehors tout simplement. Ok. On va voir si c'est ça, tout ça. Si c'est aussi simple que ça, mais... Dans l'autre pièce peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, il y en a même deux. Ah oui, il y en a quatre au total. Le dirigeant de Mégaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. C'est clair que c'est assez pratique. D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Rêve que tu as des ailes. Ok, donc il n'y a pas l'air d'y avoir toute la vérité dans ce qu'elle m'a dit en fait. C'est ça qui me dérange. Moi j'ai besoin de qu'elle soit honnête envers moi si elle veut que ça aille plus loin, notre relation de couple. C'est pas vraiment une relation, on n'est pas vraiment en couple, on se connaît à peine. Je crois que j'en ai assez. Mais apparemment mon personnage veut Ken, alors bon. Ce sera pas une relation de couple, ce sera une relation d'un autre genre. Pourquoi le... Oula, non. Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi j'ai un... Une petite tête. Un monsieur qu'on a après moi. Rhoda la fragile. Oh, ça pourrait être tentant, mais non. J'imagine que je vais devoir faire un choix. Ok. Le choix de la polygamie. Bonjour. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Coup-ci, coup-ça. Prenons d'abord un peu de bon temps. Prenons les choses sérieuses. Est-ce qu'on pourrait enfin s'amuser un peu? Je te remercie de ton aide, mais je ne crois pas. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Oh. Je l'ai ressenti parfois, mais pas assez pour moi. Occupons-nous plutôt de ce qui est important. Oh. Pour toi, pourquoi as-tu engagé d'autres mercenaires? Oh, pour de petites choses ici et là. Il est jaloux. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout. Comment est mort l'un de tes prétendants? Un homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. Il a probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. Elle me ment, et j'aime pas ça. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Soit je me la mets à dos. Le dirigeant raison. À cause de tout. Ce n'est pas parce que ta famille est riche qu'on veut te tuer. Tu te fais passer pour une victime. Je parie même que l'homme que tu devais épouser a été tué par le mercenaire que tu as engagé. Je t'ai demandé de m'aider, pas de m'accuser. Tu devais m'apporter la vérité qui me permettrait de commencer mon odyssée. Mais je m'en fous de ton odyssée, moi. Tu vas bientôt la commencer, ton odyssée. Tu devras abandonner. Commençons ce voyage sur ta couche. Voilà. Commençons ton voyage. On pourrait s'amuser un peu. Ah, il a envie de s'amuser. Tu viens de me dire que tout ça est ma faute. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de coucher avec toi. J'aurais essayé. Elle est têtue. Bon, j'aurais essayé. Bien. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Tu pourrais rejoindre mon équipage. Pourquoi nous dire adieu? Tu pourrais te joindre à mon équipage. Je lui offre son odyssée. Tu t'es retourné contre moi et m'as reproché tout ça? Tu l'avais mérité. Mais tu as failli me persuader que tu étais innocente. Une vraie prouesse. Merci. J'imagine. Je te propose de voyager. Être à l'abri maintenant que tu as la preuve qu'on voulait vous tuer tous les deux.
On ne s'en prendra pas à lui pendant ton absence. Alors, qu'en dis-tu? D'accord. Que pourrais-je faire d'autre après tout? Formidable. J'ai encore une chance. Cool. Dis-moi que c'est une légendaire, sinon je la vire. Soyons honnêtes. Ok, bon bah va virer à mon avis un jour ou l'autre. Pauvre demoiselle. Genios, au revoir. Toi, au revoir. Il va falloir que j'augmente ce truc là quand j'aurai suffisamment d'or. Ok, cool, bon bah tout ça pour ça. J'ai même pas réussi à coucher, putain. Bon. Stentor, je vais pouvoir lui parler. Et normalement, j'aurais pouvoir réussir à parler à mon père aussi. Ça pourrait être cool. Par contre, je vois que sur les cadavres, je peux récupérer des choses. Profitons-en un petit peu. Fait-on jamais. Ok. Pff, tu me parles pas comme ça, toi. Ouvrez les yeux, non mais lol. Alors, je voyais un marchand avant d'aller voir... Tento, on va aller voir s'il n'y a pas justement un truc de bateau, une apparence de cheval moyen. Ouais, d'accord, ok, c'est cool. Bon. Passe une bonne journée. Pas de truc de bateau. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je veux pas l'assommer, je veux pas la Stentor. Salut. Mes chefs de guerre sont satisfaits, mercenaires. Quelle nouvelle apportes-tu? Le chef athénien est mort. Mm-hmm. Mégaris est sur le point de tomber. Oui, aussi. Bien. Le loup a donné l'ordre d'attaquer. Je suis content, Mystios, que tu te joignes à notre marche vers la gloire. Attends, il y a un truc que tu m'as pas donné, c'est un leurre électrique, allons tuer les Athéniens. Allons tuer les Athéniens. Il est temps de porter le combat chez les Athéniens. Oui, il est temps qu'ils ressentent la colère de Sparte. Allons, Cléos attend. Toi, la gloire. Tu lis dans mes pensées. Nous allons gagner, pour le loup et pour Sparte. Viens, nous devons rejoindre le campement avancé. Ok. Je suis prêt. D'accord, je suis prêt. Suis-moi. Nous devons nous préparer en vue de la bataille. Ah, vais-je avoir une nouvelle armure, de nouveaux équipements? C'est un grand homme. Non, même pas. Il mènera Sparte à la victoire contre les... Non, non. Parce que dommage qu'ils aient pas leur bouclier en main. Quel genre de père il est? Il force l'admiration. Fort... Bienveillant à sa manière. Et parfois je... Oui? Rien, mais... Son regard se perd parfois dans la brume de ses souvenirs. Et j'y sens comme de la tristesse. Ouais. C'est le chef militaire de Sparte. Mais c'est aussi un homme de chair et de sang. Et la vie apporte son lot de regrets. Ça, je m'en badigeonne les couilles avec le perso de la différence, hein, tu sais, hein. Je sais pas comment je le dis en grec, mais... Après ce qu'il a fait entre donner ma sœur... Un malade mental qui veut faire des sacrifices et ensuite me pousser du haut d'un... du même ravin que ma sœur, je suis désolé, hein, le mec il va finir sur une pique. Hein. Tradition ou pas tradition... Et on va faire ça 40 km comme ça parce que j'aurais pris mon cheval, on serait déjà arrivé quoi, merde. Ça risque d'être un peu différent des combats auxquels j'ai pris part. Mais non. Il a un joli casque, lui. Non, c'est pas lui. Rejoindre Stentor pour la bataille de conquête. C'est parti! Tu es prêt à écraser les Athéniens? Bataille de conquête. Après réduction de la puissance nationale, une bataille de conquête devient disponible. Athènes et Sparte récompensent à l'aide d'équipements épiques les batailles de conquête. La défense d'une nation est plus simple, mais moins bien récompensé. Attaquer une nation est plus difficile, mais offre des récompenses plus élevées. Pouah. Allons combattre. Je suis prêt à me battre. Parce que c'est vraiment grandeur nature, parce que si c'est énorme comme assaut, ça peut être juste visuellement. C'est cool. On envoie les Athéniens chez Hadès. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Par contre, du coup, ça m'aide pas parce que... Pour une simple et bonne raison. C'est que j'ai pas beaucoup de compétences de guerrier. Beaucoup plus de compétences d'assassinat. Ce qui veut dire que je vais peut-être plutôt me focaliser sur les ennemis intéressants.
Voilà, comme celui-ci par exemple. Alors je sais pas si... Regardez. Ça me permet de... Non, ça me permet pas de... Ah, attendez, j'en ai vu un ici. Ils me font tellement pas de dégâts les autres que je peux me permettre de c'est pas les affronter. Dernier jour dans ce monde. Non, non, mais t'enfuis pas. Allez, hop, décède. J'ai pas... Hop, et voilà, et de deux. Pour l'instant, nous sommes en tête, mais c'est tendu. Hein. Allez, décède, décède, décède. Ah, bien joué. Raté. Ah, je me fais attaquer de toutes parts. Je cherche juste là. Ah, regardez, il y en a un autre ici. Poussez-vous, 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 c'est pas lui que je veux. C'est lui. Hop là. On est bon. Alors, c'est pas dans ces combats-là que je vais recruter. On soit bien d'accord. Oh. Je pense que je jurais que j'ai paré. Hop là, boum. Allons voir s'il y en a d'autres. Apparemment oui. Allez, bouffe mes pics. C'est bon. On commence à prendre la tête. C'est plutôt bien. Allez, dégage. Maîtrise de la lance. Ah. Ok, maintenant faut que je trouve un nouveau... Ah, on a un ici. Ah. Hop les, raté. Hop les, ça c'est fait. En plein cœur. Ah, bien joué, mais enfin bon, c'est dans le dos, hein, donc t'as aucun honneur. Il dira moi non plus, hein, je vais m'attaquer qu'au gros. Allez, où est-il? Tu es le capitaine ennemi. Merde, j'ai pas vu. Hop les. Tiestes, bonjour. Ok, raté. Dommage, hein. Ouh, c'était tendu sur le timing. Coucou. Hop là. Au revoir à ton bouclier, il ne te sert à rien. Ok. Raté. Ils se replient, mais non, moi, ils sont pas intérêts à se replier, moi. Moi, je veux tous les tuer jusqu'au dernier, je suis du côté de Sparte. Bien joué. Désolé, tu vas décéder. Non, non, je veux pas. Un peu trop tendu, si ce pas. La faction Sparte a vaincu la faction Athènes. Mégaris sera désormais dans le camp de Sparte. Et j'imagine qu'on peut les faire passer de camp en camp. Au fur et à mesure du temps, vous savez, à force de réduire le niveau, on se met du côté d'Athènes, on réduit le truc, etc. Pour gagner un maximum de loot. Et d'XP. Le loup réclame la présence du mercenaire. Il t'est temps. Annonce-lui que nous arrivons. Non, non, moi seul. Je regrette, mais il veut voir le mercenaire seul. Quoi? J'ai classe. Dit que le général... J'ai bien entendu, mais je ne comprends pas pourquoi. Et lui va pas te répondre, idiot. Ne discute pas ses ordres. Très bien. Il y a de la méfiance, hein. Voire même de la défiance. Il est vexé. Apparemment, d'autres devoirs m'attendent. Oui, même plus d'un seul coup. Hein. On était à deux doigts d'être copains, pardon, d'être potes. D'être copains et potes, ça fait d'être cote. Mais d'un seul coup, non, il veut plus. Alors, on a gagné un level, donc avant, on va aller se faire ça. Cercle de chaos, maîtrise de l'équipement, une augmentation de 30%, d'accord. Ah, il y a ça. Ça, ça pourrait être extrêmement intéressant. Franchement, ça, je regrette de l'avoir pris.
On va prendre l'attaque incendiaire. Ça va me permettre de... Alors le truc c'est qu'apparemment ça prend... Ça prend un truc ici. Ça, ça m'embête. Je vais mettre à la place de ça. Tant pis. J'aurais préféré en avoir un peu plus. Je te merde. J'espère que tu l'as bien entendu, celui-là, je te merde cordialement. Qu'est-ce que je vais lui dire? Avant, on va s'habiller comme il faut pour papa, hein. Ouais, si tu veux. Là, ça a l'air mieux, ce que j'ai, quand même. 10, c'est ici? 11. Guerrier, dégâts de feu, chasseur, nanana. Critique à santé faible, bof, on va mettre ça. Et des dégâts de feu de marquer dessus, ça m'intéresse. Ici, niveau 11, j'ai un gros gourdin. Vous pouvez déformer autant que vous voulez la phrase. Ok, papa! Tu es parti sans dire adieu, papa! Allez, ailleurs avec moi, ce serait 10! Si c'est toi qui nous a apporté la victoire, donne-moi ton nom, héros, que je puisse t'accueillir en vrai guerrier. Alexios. Cela faisait longtemps. Impossible. Je t'ai vu tomber. Je ne suis pas tombé. Tu m'as jeté vers ma mort. J'ai accompli ce qui était mon devoir de Spartiate. Et j'ai enfoui ce souvenir. Tu dois en faire autant. Tu étais mon père. Ton devoir était de me protéger. Tu étais téméraire. Tu m'y as contraint. Mais bien sûr. Je faisais que protéger ma sœur à ta place. L'oracle avait déclaré que Cassandra devait mourir. Sa parole est sans appel, tu le sais. Il est trop tard, tu ne peux plus te cacher derrière ton sens du devoir. Assez. Oh là là. Oh là, la texture aussi. La texture. Vite. Texture. Texture. Non, dommage, on l'aura pas eu. Je ne peux pas changer le passé, Alexios. Je vivrai et mourrai en Spartiate. Eh bien, soit. 10. Tu savais qu'on offre une grosse récompense à celui qui tranchera la tête du loup. Et c'est pour ça que tu es là. Oh oui. Je suis venu me venger. Le devoir ne te protégera pas des fantômes du passé. Tu m'as payé pour ce que tu as fait. Je verrai l'éclat de la vie quitter ton regard en te tuant de mes mains. Allez! Je vous aimais. Toi et ta sœur. Non mais oh, parle pas d'elle. Mais tu n'as jamais été à moi. Que veux-tu dire? C'est une question que tu devras poser à ta mère. Ah, c'est même pas mon père. Ah, voilà, là le... Alexios. Méfie-toi des serpents dans les herbes. Ils parlent toujours en énigme, les Spartiates. Voilà. J'ai aucun regret, honnêtement, j'ai aucun regret. C'est dur pour lui, je peux comprendre. Mais je m'en badigeonne les couilles. Ce qu'il a fait, alors qu'il aurait dû protéger sa famille. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe ici? Par tous les dieux! Mais qu'as-tu fait? C'est ce que j'étais venu faire. J'étais venu faire. Me venger de l'homme qui a essayé de me tuer. Voilà ce que j'ai fait. Non, non, ça ne me dérange pas.
Dégage. T'as du bol. Ah, venez tous, y'a pas de soucis. Dégage. Les Spartiates vont chercher à me tuer. Il faut que je m'en aille. Bon. Ça c'est fait. Barnabas. Ah, j'ai loupé la marche apparemment. On bouge. Oula, il y a du sang dans l'eau. Tu as tué ton père ? Oh oui, beau-père. Oh, j'imagine que les dieux pardonnent plus facilement un beau, beau parricide. Parricide. Nicolaos m'a élevé. Il est formé. Il sera toujours mon père. Même s'il a tenté de me tuer. Ah, je suis pas d'accord avec ce principe. C'est mieux ou c'est pire ? Peu importe après tout. J'ai connu des familles bien plus compliquées que la tienne. Merci. J'imagine. Merci de te soucier de moi, voilà, c'est merci. Ça. Je suis content de t'avoir avec moi, Barnabas. Et moi, je suis content d'être moi aussi, là. J'ai la crête des... Tu as besoin d'autre chose ? Trouver ma mère. Elle est en vie, Barnabas. Du moins, c'est ce que pensait Nicolaos. Parera, pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Où est-ce qu'on va, capitaine ? Bloc. Dans l'immédiat, à Phokis. Elpenor a dit qu'il m'y retrouverait. Il me doit de l'argent. Il y a une explication. Et si Elpenor était mon père ? Et profitons-en pour interroger la Pythie. Si quelqu'un a des réponses à t'offrir, c'est l'oracle de Delphes. L'oracle est une vraie plaie. Les prédictions de l'oracle ont détruit ma famille. La Pythie détient la sagesse d'Apollon en personne. En revanche, choisir d'ignorer ses dires, c'est courir au désastre. Je suis pas d'accord. Si nous avions ignoré la Pythie, ma sœur serait toujours en vie. Et ma mère, en sûreté, chez nous. Au travail, alors. Ah, mais de toute façon, si j'y vais, je vais... Tu sais où trouver Elpenor, Vas-y, dis-moi ce que t'as à dire. Tourne à gauche, j'irai à droite, hein. Mais en mourant... Sans la moindre réflexion. Nicolaos m'a dit de me méfier des serpents dans les herbes. Je crois que tu ferais bien de te préparer avec soin. C'est surtout Elpenor de se préparer. Retrouve-moi au temple d'Apollon, à Delphes, quand tu en auras fini avec tes serpents. Oh, allons-y. Alexios, avec toute cette agitation, j'ai failli oublier. Il est arrivé malheur à ta maison. Quoi ? À ma vieille baraque ? Elle tenait à peine debout, déjà. Non, je veux parler de Kefalonia. Une maladie a frappé toute l'île. On dit qu'elle a commencé à Chaosos. Apparemment, il n'y a pas de remède et beaucoup sont morts. Malaka ! Ce prêtre avait raison. Si tu le souhaites, nous pouvons à tout moment... revenir à Kefalonia. Attention, parce merci que ça peut être une maladie ou ça peut être le prêtre qui est revenu avec une allons-y. Petite armée. Et je pense que je vais plutôt me baser sur ça. S'expliquer. Bon, apparemment, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Personne qui parle, ni rien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, c'est fini. C'est déjà fini. J'ai donc assassiné toute une île. À moi tout seul. Ok, rien que ça. Pourquoi pas. Vendu. Oh. Oh. Oh, ça pourrait être intéressant, ça. Alors, la vraie question, c'est est-ce que je prends parti pour Sparte ou pour Athènes ? Telle est la question. Je n'en reste pas moins un Spartiate. Et si je peux, en tuant mon père, enfin, mon beau-père, et en tuant son... mon beau-frère, enfin, non, je sais pas comment. Mon demi-frère, plutôt. Mon demi-demi-frère ? C'est quoi ? C'est chelou. Bref. Est-ce que je peux monter à la tête de Sparte ? Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment, vraiment cool. Mais je doute que ce soit dans l'histoire. Un fort. Ah ouais. Où donc? Non, parce que si fort il y a... Ah, c'est ici. Tous niveau 12, ils sont toujours un niveau au-dessus de moi, c'est casse-couille. Et ils sont extrêmement nombreux au passage. Bon, on va aller rigoler. Oui, tu dois te montrer prudent, je suis au courant. Il en reste encore un paquet que je n'ai pas vu. Un
Ok. Faudrait que j'arrive à... à m'occuper du feu. Vous savez? Je ne le vois déjà plus. Il est loin. Il est loin. Si je m'occupe de lui, est-ce que je... La vraie question, c'est est-ce que je peux l'assassiner lui sans que personne le sache? Personne dans les alentours, on est d'accord. Il y en a un qui arrive. Forcément. Et personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Et de 1. Ok. Faut que j'en brûle 3. Ce qu'il y a là-bas. Et moi surtout j'aimerais éviter qu'il y ait un quelconque bon, par le bâtiment là-bas je pourrais. Qu'est-ce que nous allons aller faire? Alors je pourrais tellement faire un 6 Sparta mais je suis pas sûr que ça le tue. Oh le sac à PV. Pile ce que je voulais faire, mais bon, pas de cette manière malheureusement. On va aller le looter quand même. Il voulait pas le faire de cette manière là. Tant pis pour moi. Au moins personne ne retrouvera son corps. Y a quelqu'un ? Lui il a vu quelque chose apparemment. Passer par les extérieurs. Tant pis, je gagne du temps. Je vais. Personne n'a rien entendu. Ouh là là, je l'avais pas vu celui-là et je l'avais même pas entendu non plus. Une catastrophe. Ok. Ouh. Il y en a un qui arrive apparemment. Non, t'as rien vu. Quelqu'un d'inanimé. Vraiment que j'aille éteindre ce feu. En tout cas le préparer pour qu'il ne soit pas un problème. Ok, cool. C'est fait. Lui il a même pas réagi. Qui est assez étrange, je vais bien l'admettre. Hop. Rien vu, rien entendu.
Bref, je peux pas continuer à faire le tour malheureusement. Hop là. Là-dedans, il y a un trésor apparemment. On y va. Le trésor public d'ailleurs. Rien que ça. C'est parti. Pillage du coffre de trésor public. On est bon. 1300 drachmes, c'est génial ça. Ok. Il y a toujours ceux-là aussi dont on doit s'occuper. Et j'ai oublié un coffre là-bas. Ok, ils sont nombreux ici. Ils ramènent les cadavres bizarrement. Allez viens, c'est bientôt la fin de ta vie qui ne mène à rien. Voilà. Boum, reste planté là. Hop là. T'inquiète, tout va bien. Alors ça pourrait être un problème. Ce qui risque de venir en fait là où je suis. Quelqu'un qui ne bouge pas, allez voir. La victime n'a rien vu venir. Oh là 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 là. Et le système de priorité les mecs hein. Ouh la vache. Il est rapide. Il est rapide. Mais je l'aurai. Ouh là là, c'est pas passé loin. Ouh là là, c'est pas passé loin une fois de plus. Tu vois la mort. Oh là 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 là. Oh non, 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 j'avais la compétence et tout qui était disponible. Ah, fait chier. Mais ils sont tellement puissants, quoi. C'est un truc de ouf. Et pourtant, je lui ai fait une attaque chargée, imaginez. Le peu de dégâts que je lui fais comparé aux attaques à l'assassinat chargé que j'ai pris. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais réessayer, tant pis. Je réessaye. Mais je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu parce que de ce point de vue-là, je fais tout ce qu'il faut comme il faut, à part bon, là, forcément. Enfin, non, 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 même pas. J'ai fait tout ce qu'il faut comme il faut. C'est-à-dire que j'ai réussi à la voir en assassinat et tout, mais ça ne l'a pas tué. Je trouve ça un poil décevant de ce côté-là. Je le dis. Tant pis. Peut-être me mettre des gens à dos. Reste pas planté là. Certains me diront oui, mais tu t'attaques à des forts qui sont plus forts que toi en termes de niveau, etc. Alors, oui, oui, certes, je vais pas vous dire le contraire. Cela dit, un assassinat, c'est censé être un assassinat, quoi. Je suis censé one-shot une personne parce que je viens lui planter un couteau dans le dos. Maintenant, vous me direz oui, mais elle a le droit de se défendre. Oui, oui, elle a le droit de se défendre. Mais à ce tarif-là, il y a une raison pour tout aussi. Hein. Établi le piège. Chercher l'ours. Je l'entends mais je le vois pas. S'il est là.
T'es sérieux là? Hop là. Personne maintenant, c'est sûr. Peux pas le. Alors, qu'est-ce que tu vois? C'est à croire que ce chien s'est évaporé. On reste en éveil. Il faut trouver cette saleté. Entendu. Peux les assassiner ou pas? N'ai rien vu du tout. Oh. À tes ordres. Oh. Ça va recommencer, la même. Allez, tant pis. Tu brûles. Tu brûleras dans les flammes des enfers. Allez, bien. Ah, il fait super mal. Hop là, on l'a eu. On l'a eu. Tu devrais. Voilà, lui je l'ai eu aussi. Et maintenant j'aimerais récupérer ce qu'il a sur son cadavre. Voilà, merci, dague ouvragée. Bon, ça se passe pas comme je le voudrais. Soyons honnêtes, ça ne se passe pas comme je le voudrais. Normalement mon truc est toujours piégé. Il va falloir que je me bouge le fion par contre hein. Tant pis. Non, non, tu n'as rien vu. Tu n'as strictement rien vu. Calme-toi. C'est sûr que ta vision est trouble. Dit-il en rentrant dans un bâtiment rempli de poussière, apparemment. Non, là-bas. Tous les coups, il aura tellement de PV que ce sera infaisable. C'est ça qui m'embête en fait dans l'histoire. Hein, c'est... Regardez, là c'est, bon, c'est censé être un tout gros par contre. Hein, mais... Et voilà, j'enlève même pas 50%. Ah. Aïe aïe aïe. Allez, vas-y, attaque encore. Et eu. Allez, bouffe. Oh. Allez, viens. Raté. Ah, celui-là, j'ai du mal à esquiver, hein. Allez, attaque! Elle t'attaque pas! Raté! On est dans les feuillages là. Voilà! Toi, je t'ai eu. Et tu me donnes même pas d'équipement, c'est un peu triste. Je suis désolé hein, d'avoir à te le dire comme ça, bonhomme, mais. C'est un tout petit peu triste. Pendant ce temps-là, l'autre il a bougé, forcément. Personne m'a vu. Charogne.
C'est pas grave. Ça t'attaque pas plus que ça? Voilà. C'est pas grave. Raté. Il a allumé le feu, le capitaine, et il en est décédé. C'est pour ça qu'il est parti. Genre, bonhomme, t'es sous le feu ennemi? Voilà, il y a l'autre, attention, je sais pas où il est. Ouf. Ce mec est un joueur de FPS. Aïe. Ok, allez bien. Tu veux te la mettre de façon grecque? Y'a pas de soucis. Non mais lol. Oula, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, bien joué. Par contre, il m'embête plus qu'autre chose, honnêtement. Puisque il m'empêche d'accomplir ma mission. Ça ne sera plus très long. Je suis à court de flèches en plus. Ok, c'est bon. Ouh. Bon, ça c'est fait. Tant bien que mal, comme on dit chez moi. Hein. Tant bien que mal. Mais bon. Ça a été accompli. Allez, descends. Sur de prime est à vos trousses. Il est à proximité. Merde, il va me voir. Hop. Tu vas quitter ce monde. Tu sais te battre. Mais lol, arrête tes conneries. Il y a un chasseur de prime à proximité, j'ai autre chose à faire. Ok, légendaire. Avec son loulou. Il me donne envie de le prendre, celui-là. Tu donnes envie, bonhomme. Tu donnes envie, si j'admets. C'est tentant. Ça te tue pas? Désolé, le loup. Oh! Eh bien, la belle justice. Oh, ouais, t'es pour moi, toi. Toi, c'est cadeau. Je t'emmène. Oh, jolie, l'attaque rapide. Elle a un bouclier, mais elle reste attaquable. C'est assez chelou. J'ai plus de flèches, c'est vrai. Oh, joli, 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 joli. Je ne dis pas le contraire, c'est très très beau. Oh non, te soigne pas. Mais non, c'est chiant. Allez, contre le mur. T'inquiète pas, tu vas aimer. Ouf. Allez, j'en ai 4. Toujours pas suffisant.
Toujours pas suffisant. Ce n'est pas le sang qui fait le courage. Allez. Allez, abondant. Voilà. Non, je l'ai tué. Ah non. Nous allons bientôt prendre la mer. Voilà. Bien mais. Indice relatif à un mercenaire. Ouh. Intrigant. Il y en a encore un autre qui est arrivé à proximité, c'est ça? Bon, faut que je m'occupe de tout ce qu'il y a à faire dans la région. Parce que là, on a 1h30 de tournage, ça fait beaucoup. À monter, c'est encore plus long. Hop. Doigt révélateur. Ouais, bah, j'irai faire ça. J'irai lui montrer mon doigt révélateur dans un épisode ou deux, ou dans un inter-épisode ou dans un live. On verra. Hop là. On n'a rien vu. Je pourrais sauter par-dessus. Oh. Allez, j'essaie. Merci. Bon. Il me reste quoi dans la région? Brûler les trucs. Cool. Cette fois-ci, on ne se plante pas. Oh, la corbasse. C'est pas une corbasse. C'est pas une corbasse, c'est un vautour. Rien à choper là-dessus, une flèche ordinaire, d'accord, c'est celle que je viens de lui lancer. C'est dommage. Par contre, on va se tenter un petit truc là. Ça marche. Ça marche, génial. Et il est censé en rester une. Là-bas, on a un coffre. Ok, mais c'est pas ça que je cherche. C'est ça que je cherche plutôt. Je confirme. Ok. Mais j'étais serein dans ce saut. Hein. Oula, t'as voulu faire un truc. Ok, bon, bah ça c'est fait. On a plutôt géré. Je suis assez fier de la façon dont j'arrive à le faire. Je suis un peu juste dégoûté que certains. Certaines choses qui sont censées être OP ne le soient pas. Bon. Enfin, qui sont censées être OP. Qui sont censées être mortelles, en fait. J'ai mis des points de compétence dans des capacités censées être mortelles. Ça devrait marcher. Mais bon, mis à part ça, tout va bien, on s'en sort. Avec un petit peu plus de stratégie, un peu plus de combat. Donc bon. Que demander de plus? Du coup, les amis, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et moi, je vous retrouve dans le prochain. A plus pour d'autres aventures. Et yop! Il y a un gros ours. J'ai pas encore affronté d'ours. On va dire qu'il m'affronte pas vraiment. Quand même, il s'en bat déjà un peu les couilles de moi. Mais bon, l'objectif était là. 28 souples. Wow! Bon, à plus!